collabore avec des fondations ou des écoles, ou comme ici avec l'Institut Marine de Concarneau, pour essayer de faire que les enfants ils s'intéressent au milieu marin et mener des actions en lien avec l'environnement et l'environnement de la mer. Donc ce projet va mobiliser à peu près 90 classes, donc des milliers d'enfants auprès desquels on va intervenir, qu'on va faire travailler sur des thématiques liées à l'environnement marin. Pour nous, c'est particulièrement important en fait ce genre de projet et de leur montrer les beautés de la nature et de l'environnement marin, puisque généralement ils deviennent très passionnés par la chose et deviennent vraiment réellement des ambassadeurs. Seeing the kids today, you know, playing with the fish and the crabs and the sea cucumbers and the bucket, you know, watching just, you know, how excited they were. It brings me back to kind of when I was a kid. Ici, on est devant la petite école du centre-ville. Et là, ce qu'on va voir, en fait, c'est le rendu final, leur travail tout au long de l'année sur le thème des vagues. Elle décide de partir vers le sud. En arrivant en Espagne, elle voit des danseuses de flamenco. Les courants auraient dû l'emmener vers l'ouest, mais un cargo passant par là la dirige jusqu'à l'Afrique du Sud, puis à Madagascar. Pour faire vivre les espèces animales, parce qu'il y a plein d'animaux dedans et j'aime les animaux. Their brains are like sponges. They absorb all the information and they share it with their friends and they pass it along. And you know, hopefully it's something that they carry with them as they continue to grow older. It gives me hope for the future.